Camille Dinjar. Aujourd'hui, il y avait ici White Star Woluwe, féminin White Star Woluwe contre Club Wayalay. Comment tout s'est passé ? Intensivement, enfin, c'était très physique. Donc je pense qu'on a eu des petits moments où physiquement on a pêché un petit peu. Mais sinon, tactiquement, je pense qu'on était bien placé. Jusqu'à la mi-temps, c'était 0-0, donc on fait une bonne première mi-temps. Mm-hmm. Et maintenant, malheureusement, on en prend 3. Je pense que c'est un peu sévère, mais voilà, c'est la loi du foot. Oui. Mais vous avez longtemps tenu le score 0-0. Il y avait un moment qu'on pensait peut-être un point, c'est possible, mais bien, à la fin, oui, Bruges gagne. Pour la saison, le match aller, c'était beaucoup plus difficile, je pense, hein, là-bas. Oui, tout à fait. On prend 8-1 là-bas, donc c'est déjà mieux. Maintenant, on doit encore travailler physiquement, parce que des occasions, on en a eu. Maintenant, il faut les mettre au fond aussi. Et elles en ont eu, elles les ont mises, donc voilà, c'est comme ça. Oui. Comment vous venez de Chastres, c'était en D1 que vous avez joué. Comment c'est l'adaptation à la Super League pour vous? C'est tout à fait différent, ça joue plus vite, physiquement c'est beaucoup plus intensif aussi. Donc voilà, on travaille à tous les entraînements, on fait tout ce qu'il faut pour gagner sa place. Et voilà, c'est une chouette ambiance en tout cas avec Woluwe, donc c'est chouette de travailler dans ces conditions-là. Et je pense bientôt, le prochain match à la maison c'est contre Anderlecht, un derby. Comment vous regardez à ça? Parce que le match aller c'était 5-3, très spectaculaire aussi. Et maintenant? On a 2 semaines pour le travailler, donc on va travailler à fond, tactiquement et physiquement, et on espère être prêt pour ce match, et on espère aller chercher quelque chose. Ok, je vous remercie. Bonne continuation ici à White Star. Merci beaucoup.